The East and Far North regions of Cameroon presently host more than 200,000 Nigerians and Central Africans who have fled their countries owing to social and political unrest. It is therefore in a bid to implement the Rapid Response for Enhancing Resilience and Conflict Prevention Program in these two regions that the Betwa Workshop is holding, jointly sponsored by the Israeli and Japanese embassies to Cameroon, the United Nations Development Program, UNDP, and the Ministry of Sports and Physical Education. The project aims at assisting Cameroon in facing the many challenges provoked by these population movements. We would like, as a small embassy, to help in what we can, because most of the time you hear that people get aid, they get food, but no one take care for a sport activity, for entertainment, to build the relations between the refugee communities and the local communities. We are working together with the Israeli ambassador to sustain the activity in the specific domain of football. These 150 youths, football coaches and sport officials drawn from Betwa, Baturi and Yokaduma would, during their training, acquire skills and knowledge on good leadership which would permit them use football as a tool for social change in their communities and among refugees. Avec les attaques répétées des djihadistes Boko Haram au Nigeria, des centaines de milliers de déplacés cherchent chaque jour asile à l'extrême nord Cameroun. Et depuis la crise politique en Centrafrique, 150 000 familles de réfugiés vivent dans la région de l'Est. Face à cette souffrance humaine, difficile pour les Nations Unies et les ONG internationales de dormir les poings fermés. Cette formation vise à renforcer les capacités des formateurs dans le domaine du football, afin d'utiliser cette activité comme un moyen pour renforcer la cohésion sociale au sein des communautés hôtes et au sein des communautés réfugiées. L'ambassade du Japon y contribue à hauteur de 2 millions de dollars américains. L'ambassade d'Israël assure l'aspect technique à travers l'ONG Mifalo et l'État du Cameroun, par le biais du ministère des Sports et de l'Éducation physique, fournit tout le matériel sportif nécessaire au projet. Le projet a une longévité d'un an pour cette première phase. Mais nous sommes en train de nous organiser pour que le projet puisse avoir une seconde phase qui pourrait éventuellement durer 2 à 3 ans. L'ambassadeur d'Israël au Cameroun, Nadav Cohen, vient donc lancer un projet ambitieux et clairement balisé pour sensibiliser pendant 3 ans les communautés locales sur la cohésion sociale et le vivre ensemble, pacifique.